À continuation, on va faire un glaçage en utilisant la fruitpectine NEH. On va chauffer l'eau à 40 degrés. C'est la bonne température pour bien fondre notre pectine. On va mélanger la pectine avec 5 parts de sucre de la recette et on va mélanger petit à petit. On va porter à ébullition et on va verser le tout dans un bol. Voilà, donc on va ajouter la purée de la framboise petit à petit en mélangeant déjà avec une spatule de gomme. Finalement, on va verser le jus de citron. C'est l'acide qui va basser notre pH pour bien gélifier la pectine. On continue à remuer. Et finalement, avec une cuillère, on va retirer toutes les impuretés à la surface pour avoir une pectine parfaite. On va filmer avec du film à contact et on va laisser gélifier une soirée au frigo. On fond à 35 et c'est prêt pour l'utilisation.